Alors, merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Nous continuons la série des cartes blanches aux membres du conseil d'administration des Amis du musée de Cluny. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Hélène Fonte, la secrétaire générale de cette belle association. Ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous Jacques Dallarin. Jacques Dallarin, vous le connaissez tous, mais en quelques mots, je vous rappelle son parcours impressionnant. Donc, Jacques Dallarin est historien, médiéviste, directeur de recherche au CNRS, membre de l'Institut. Il a été membre de l'École française de Rome. Il a dirigé l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Il a écrit un nombre considérable d'articles, d'ouvrages. Je ne peux pas tous les citer. Mais je rappelle tout de même que Jacques Dallarin a dirigé, par exemple, l'édition de ce fameux Moyen-Âge en lumière, qui était si magnifique, c'est déjà un petit peu loin. Il a écrit beaucoup sur les franciscains, sur François d'Assise, sur Claire d'Assise, sur Claire de Rimini, sur beaucoup d'autres. Il a beaucoup travaillé sur ce 12e siècle incroyable, avec tous ces personnages inouïs, des hommes, des femmes, beaucoup, ce qui l'a amené à écrire il y a déjà quelques années ce livre extraordinaire que vous avez peut-être lu, Dieu changea de sexe, pour ainsi dire, ce qui n'est quand même pas si fréquent. Et c'était aux éditions Fayard, c'est une lecture prodigieuse. Et puis aujourd'hui, c'est, on peut dire, 15 ans de travail et de recherche que vous avez dont vous avez fait la synthèse dans ce livre qui vient de sortir, donc « Modèle monastique, un laboratoire de la modernité » aux éditions du CNRS. Alors, avant d'entrer directement dans le contenu de ce livre, j'avais envie de demander à Jacques Dallarin de nous parler d'abord de sa méthode, comment il travaille, comment il cherche, quelles sont les sources qu'il privilégie et puis quelles découvertes il fait, parce que si vous avez déjà lu le livre, vous verrez que même sur des personnages aussi célèbres que Héloïse et Abélard, on fait encore des découvertes. Voilà, Jacques, c'est à vous. Merci beaucoup Hélène, merci surtout d'avoir accepté de me parrainer pour cette rencontre. Merci à vous tous, chers amis, d'avoir bravé le froid et les difficultés qui subsistent encore dans les transports. Voilà, moi je suis d'abord tout de même vous dire que dans cette association dont j'ai l'honneur de faire partie du conseil d'administration, je me trouve vraiment, je me trouve magnifiquement bien. Notre présidente est là, Martine, François. C'est devenu très vite, Judith, que j'ai aperçue tout à l'heure, c'est devenu très vite une famille pour moi. Et je suis vraiment très heureux de me trouver ce soir avec vous. La méthode, c'est la méthode du fouineur, quoi. On dit que les érudits, si tant est que j'ai droit à ce titre, sont des rats de bibliothèque. Pour moi, on est plutôt des chiens de chasse. C'est-à-dire qu'on est là, on flaire, et puis on suit notre piste et on essaie de ne pas la lâcher. Je me souviens, il y a bien longtemps, j'étais un jeune historien, mes premiers pas en Italie, et j'avais eu vent du fait qu'il y avait un livre de miracles d'un chanoine, complètement inconnu hein, par ailleurs, mais enfin c'était un inédit. Et j'ai assiégé la paroisse qui avait ce livre de miracles pendant un an, parce qu'il ne voulait jamais m'ouvrir la bonne porte, le bon placard, la bonne armoire. Et quand enfin, au bout d'un an, j'ai réussi à avoir ce livre de miracles du XIVe siècle, complètement inédit entre les mains, j'étais fou de joie. Et je suis sorti dans la rue, et mon réflexe, un peu étonnant, maintenant je ne le fais plus à l'académie, hein, mais ça a été d'aboyer, vous voyez, parce que voilà, j'avais trouvé mon os à ronger. Donc, voilà, je crois qu'on est un certain nombre à avoir cette passion. Je l'ai partagée avec mes collègues et amis de l'IRHT, l'Institut de recherche et d'histoire des textes, où c'est vraiment notre spécialité, aller à la découverte des inédits. On a un de nos anciens collègues, François Dolbeau,
qui est célèbre pour avoir découvert plus de 30 sermons inédits de saint Augustin. Pas d'un obscur chanoine de Rimini comme moi, hein, saint Augustin dont on croyait avoir fait le tour. Donc, oui, il faut aller aux sources. C'est absolument indispensable. Sinon, sinon d'abord on s'ennuie et on répète ce que les autres ont dit en essayant d'avoir l'air un peu plus malin qu'eux. Ça n'a pas grand intérêt. Juste une petite anecdote pour finir de répondre à votre question, Hélène. Il y a quelques années, et ça fait partie du livre « Modèle monastique » que j'appelle dans l'intimité « Momo ». Donc, il y a quelques années, je me suis intéressé à la correspondance d'Abélard et d'Héloïse. Or, parce que je pensais que ça avait un rapport avec Fontevraud. Voilà. Chien de chasse, hein, c'est-à-dire on tire, on ne lâche pas la piste sur laquelle on est. Abélard et Héloïse, en particulier leur correspondance, c'est un sujet sur lequel doit y avoir, je ne sais pas, 100, 200 communications, articles, publications par an. Vous allez dans un colloque américain, vous avez des sessions entières sur Abélard et Héloïse où on dissèque le moindre de leurs. Moi, quand je me suis intéressé à ce dossier, j'ai essayé de suivre la méthode de l'IRHT. C'est-à-dire, quels sont les manuscrits de la correspondance? Où sont-ils? Quel est le plus ancien? Et puis, je suis allé voir le plus ancien. C'est pas bien loin, c'est à Troyes. Il y a un train, tout de même. Et là, j'ai été reçu par quelqu'un qui m'était cher et qui a malheureusement disparu bien trop tôt, Thierry Delcourt, qui a ensuite été directeur du cabinet des manuscrits, ici à la Bibliothèque nationale de France, qui était un homme merveilleux et qui aimait les chercheurs, qui aimait la recherche et les chercheurs et qui aimait les manuscrits. Et Thierry me reçoit en personne. J'étais très honoré parce que je me suis dit, mais ce manuscrit, doit y avoir la queue pour le consulter. Hein. Les gens doivent être en rang avec des barrières, suivez la flèche. Ben non, il n'y avait personne et le directeur m'accueille. Je dis, mais vous devez souvent le sortir, ce manuscrit. Dis, non, pas tellement. Et là, le volume s'entrouvre et tombe la fiche de consultation. Et sur la fiche de consultation, il y avait deux noms. Alors, il y en avait un qui est cher à cette maison, c'est celui de Jacques Monfrin, qui a édité l'Historia Calamitatum, l'histoire de mes malheurs. Ça remonte aux années 60, Pascal, non ? Je pense. Et puis l'autre, c'était David Lutzcombe, qui vient de terminer, il y a 4-5 ans, une édition de l'ensemble de la correspondance, des 8 lettres. Voilà, c'était les deux qui avaient inscrit leur nom sur l'affiche. Peut-être d'autres sont-ils venus oublier d'inscrire leur nom, c'est possible. Mais c'est pour vous dire qu'il n'y avait pas bousculade. Alors comment se fait-il qu'il y ait des centaines de personnes chaque année qui parlent d'un texte dont ils n'ont pas vu ce qu'on appelle, nous, le témoin? On essaie de traiter, on est journaliste, on veut traiter d'un sujet, on va trouver les témoins. Donc aller trouver les témoins, manuscrits, c'est un réflexe, me semble-t-il, salutaire. Après, les manuscrits, il faut leur faire la cour, hein, faut prendre son temps. Moi, j'aime bien l'expression... On avait des collègues, je ne sais pas si Elisabeth Lalousse s'en souvient, qui employaient l'expression épouvantable de disséquer les manuscrits. Ça m'a toujours... Je ne sais pas, c'est tout de même pas des cadavres. Moi, j'aime beaucoup l'expression de consulter les manuscrits. On va voir des manuscrits, on les consulte. On leur demande leur avis. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, cette correspondance. Et puis là, on regarde et on voit que la première ligne d'écriture est au-dessus de la première ligne de réglure, les petits traits qui servent à écrire bien droit. Ce n'est pas une loi absolue, mais enfin, il y a un grand paléographe anglais, Neil Kerr, qui a dit en général, quand la première ligne d'écriture est au-dessus de la première ligne de réglure, en général, on est avant 1230. Ah, c'est intéressant, parce que ce manuscrit était régulièrement daté de 1300. 70 ans de moins, ça vaut la peine de se déplacer. Et puis on regarde et on se rend compte que de la même main, il n'y a pas seulement l'histoire des calamités et les 7 lettres qui suivent, il y a tout un dossier sur la vie monastique féminine qui suit.
Et qu'en fait, isoler les lettres du reste, ou isoler une lettre du reste de la correspondance, mais isoler la correspondance du reste du dossier, c'est déjà une vue de l'esprit. La vue des yeux, c'est de prendre le tout et de se dire, qu'est-ce que c'est cet ensemble? De quoi ça parle? Pourquoi ces textes sont-ils ensemble? Voilà, en gros, comment nous travaillons, parce que c'est une méthode qui est enseignée dans cette merveilleuse maison qu'est l'école des Chartes, que nous sommes quelques-uns à suivre, chartistes ou pas, mais et qui, dans mon laboratoire, l'Institut de recherche et d'histoire des textes, est notre dénominateur commun. De ne jamais se contenter de ce qui a déjà été écrit par ailleurs. Essayer de remonter d'un cran jusqu'à la source si possible. Alors, c'est impossible de résumer en une heure un tel livre, mais il y a une phrase qui m'a beaucoup frappée dans votre ouvrage, Jacques. Vous dites « La révolution bénédictine a façonné la vie religieuse pendant tout un millénaire médiéval ». Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ce point ? Oui, alors... Bon, vous le disiez, Hélène, je suis plutôt spécialiste ces dernières années, voire ces dernières décennies, de ce qu'on appelle la question franciscaine, hein, tout ce qui tourne autour de François, Claire d'Assise, les débuts de l'ordre des frères mineurs. Si j'étais aux États-Unis, on dirait que c'est ma major, mais ma minor, ça reste mes études des tout débuts, qui étaient effectivement sur la vie monastique antérieure aux nouveaux ordres du XIIIe siècle. Sur les 11e, 12e siècles. La règle bénédictine, c'est à l'horizon pour moi, puisque c'est une règle qui est écrite environ dans les années 530 à peu près. Mais tout spécialiste de François d'Assise que je suis est pénétré de l'idée de la nouveauté franciscaine, des innovations de ce personnage un peu fou. Ben, en lisant la règle bénédictine, je me suis dit, mais les vrais ferments d'une révolution dans le mode de vie religieux et bien au-delà, ils sont dans ce texte, ils sont dans la règle bénédictine. Juste quelques repères. Benoît n'est certes pas le premier à composer une règle. Vous savez que la vie monastique, ça commence en Orient. Ça commence même par une forme de monachisme qui s'appelle l'érémitisme, des anachorètes, des ermites perdus dans le désert, vivant seuls. Et puis au bout d'un moment, de manière paradoxale, les ermites se regroupent et ça fait des communautés d'ermites, ce qui est un petit peu une négation, mais enfin bon, ça fait des communautés d'ermites. La première à être organisée, c'est celle de Pacôme, et ensuite, entre la Grèce et l'Orient, il y a la règle de Basile le Grand, qui est une des règles les plus diffusées en Orient, qui régit encore la plupart des communautés monastiques d'Orient. Donc, l'Occident n'a rien inventé. Pacôme, suivi par Basile, invente le réfectoire, c'est-à-dire les moines mangent ensemble. Mais, et c'est là une survivance de l'érémitisme, ils continuent à être chacun dans leur cellule. Ils ne pratiquent pas le travail manuel. Et l'abbé, alors il y a différentes procédures de désignation, mais l'abbé n'est pas élu par ses moines. On passe en Occident. La première grande règle, alors, la première grande règle occidentale, c'est ce qu'on appelle la règle du maître. On ne sait pas quelle a été exactement sa diffusion, et elle est surtout connue pour être la principale source de la règle de Benoît. Dans la règle du maître, il y a deux nouveaux éléments introduits. C'est le travail manuel, c'est-à-dire un opus dei sans fin, incessant, qui inclut à la fois le travail des mains et le travail de la liturgie, car la liturgie est un travail, c'est l'opus dei par excellence. Et le moine occidental, dès la règle du maître, doit être tout le temps occupé. Il doit être affairé, il doit être aux affaires, il doit être busy, il doit être dans le business.
Autre invention de la règle du maître, c'est le dortoir commun. Le réfectoire plus le dortoir commun, ça impose un nouveau précepte, c'est celui du silence. Si vous êtes un ermite, vous n'avez pas besoin de règles. Vous essayez de vous taper le plus fort possible chaque jour. Vous êtes dans l'exploit ascétique. Et vous n'avez pas besoin du silence, puisque vous n'avez personne à part Dieu à qui parler. Et Dieu, vous n'êtes pas obligé de parler à haute voix, il vous entend. Mais donc, vous voyez comment ça se met en place. Enfin, la règle de Benoît, non, la règle du maître avait déjà institué ce qu'il appelle le conseil, ce qu'on appelle ensuite le chapitre, c'est-à-dire la réunion quotidienne de la communauté pour discuter des problèmes à résoudre. Et Benoît ajoute le dernier élément de l'édifice, qui est l'élection du supérieur par les membres de la communauté. Voilà, si vous voulez, comment, entre les premières années du monachisme oriental au IIIe siècle, la formalisation du IVe siècle avec Pacôme et Basile, et finalement les débuts du VIe siècle, la règle du maître et la règle de Benoît, se mettent en place les repères de communautés qui fonctionnent d'une manière incroyablement soudée, tendue, cohérente. Et c'est un peu le sens de mon livre, qui s'avère être le modèle d'un très grand nombre des institutions qui nous encadrent. L'école, l'hôpital, la prison sont construits sur le modèle du cloître. Donc c'est véritablement quelque chose de structurant, pas seulement pour la vie monastique, pour l'ensemble de la société occidentale. Ces deux règles, règle du maître, règle de Saint-Benoît, c'est vraiment, oui, une révolution. Alors, un tout petit problème d'attribution, comme on aime bien. Hein, règle de Benoît, c'est signé Benoît? Non. Alors, comment on sait que c'est de Benoît? Parce que, alors Benoît, donc, on est là, première moitié du VIe siècle. Il meurt vers le milieu du VIe siècle, dans les années 540. C'est Benoît de qui, là ? C'est Benoît de Nursie, Norcia, en Ombrie. En fait, sa règle n'est diffusée, vous avez raison de poser le problème, quel Benoît, sa règle n'est diffusée qu'avec Benoît d'Anian à l'époque carolingienne, donc 300 ans plus tard. Et pendant ces 300 ans intermédiaires entre la rédaction et la vraie diffusion, on est un petit peu dans le flou sur la personnalité de Benoît. Mais il y a eu un propagandiste de génie, le pape Grégoire le Grand, qui à la fin du VIe siècle, donc une cinquantaine d'années après l'existence de Benoît de Nursie, Grégoire le Grand, une cinquantaine d'années après, écrit les dialogues et un livre entier des dialogues est consacré à la vie et surtout aux innombrables miracles de ce fameux Benoît. Ce fameux Benoît qui a écrit une règle. Bon, très bien, quelle règle? Et là, j'avoue que j'ai une hésitation. Ça pourrait être aussi bien la règle du maître, de ce maître anonyme, que la règle de Benoît. Et d'autres historiens ont hésité sur ce point. Car le maître, si on l'appelle le maître, c'est qu'on n'a pas un nom à mettre sur lui. L'hypothèse que je lance dans mon livre, c'est que le maître et Benoît, ça serait tout de même tentant de considérer que c'est le même homme. La règle du maître, c'est une règle interminable. Ça fait, Adalbert de Vogüé l'a édité dans les sources chrétiennes, je ne sais plus si c'est 4 volumes. La règle de Benoît, bon, il y a les introductions, mais sinon, ça tiendrait en un volume. C'est 4 fois plus gros, la règle du maître. C'est plein de détails. La règle du maître vous explique le moindre détail de la vie quotidienne. Lorsque vous êtes à l'office, ne vous mouchez pas dans vos doigts, parce que ça risque de tomber sur celui qui est au rang devant, dans le cœur, des détails dont on se passerait. La règle de Benoît, même si c'est vrai, enfin, vaut mieux éviter. Le mouchoir est une invention récente. La règle de Benoît, c'est une épure. On ne retient que l'essentiel. Et mon idée, c'est de dire, au fond, on sait que le fameux Benoît, celui des dialogues de Grégoire le Grand, a vécu à deux endroits, Subiaco puis le Mont Cassin. Et si la règle du maître était la règle de Subiaco, et 30 ans plus tard, la synthèse, ça devient
la règle dite de Benoît pour de bon. Ça serait assez éclairant parce que ça, alors, ça irait dans le sens de ce que j'essaie de dire dans ce livre d'une manière plus générale, c'est-à-dire que ces communautés monastiques sont des lieux intenses d'une réflexion entièrement liée à l'expérimentation. C'est la pratique qui dicte la règle, puis la règle dicte la pratique. C'est une espèce de roulement continuel de la pratique et de la théorie, si l'on peut dire, en tout cas de la norme. Et ça me tente de penser que c'est le même homme, parce que du coup, on le voit en train de passer d'une règle extrêmement compliquée, avec plein de détails, à une règle épurée. On le voit passer d'une désignation de l'abbé qui est complètement rocambolesque dans la règle du maître, à une désignation de l'abbé qui ouvre des horizons d'une modernité incroyable, qui est l'élection par le corps monastique, par la communauté. Voilà pourquoi je pense que la règle de Benoît, c'est véritablement une grande révolution, et pourquoi ce Benoît est peut-être l'auteur des deux règles. Un dernier mot pour dire. J'ai essayé de repérer dans les principales règles monastiques quelle était la figure qui caractérisait l'abbé, c'est-à-dire la métaphore qui revenait le plus souvent pour désigner l'abbé. Chez Pacôme, c'est simple, c'est le général. Pacôme, il a un plan en tête, c'est le castrum romain, adapté à l'Égypte. Basile de Césarée, c'est le médecin. L'abbé, c'est le médecin, celui qui soigne les moines. Vous remarquez que dans les deux cas, on est dans un rapport hiérarchique du haut vers le bas. Chez Cassien, les moines sont des athlètes. Et l'abbé est comme l'organisateur des Jeux Olympiques. C'est fantastique. Dans la règle du maître, l'abbé est comparé au professeur, au maître. Et d'ailleurs, la règle est construite sur un dialogue entre le maître et le disciple. Donc vous voyez, on a jusque-là des figures d'autorité qui sont en même temps des figures antiques. Les Jeux Olympiques, le médecin de l'âme, mais enfin, le général romain ou le pédagogue, ce sont des figures typiques de l'Antiquité. Et puis quand on regarde la règle de Benoît, alors là, il y a eu, oui, une révolution. Le patron, c'est le dernier du troupeau, et c'est un pasteur. Donc on est sorti des figures typiques de la culture antique la plus élevée pour tomber sur une réalité qui vaut aussi bien pour l'Antiquité que le Moyen-Âge, qui est celle du berger à la tête d'un troupeau, c'est-à-dire une figure éminemment christique. Alors le pasteur, évidemment, c'est le Christ, mais dans la réalité, au village, celui à qui on confie de garder les moutons, ce n'est pas forcément le plus malin de la bande. Mais il est élu. Et du moment où il est désigné comme supérieur, il doit se faire le dernier du troupeau. Donc là, on voit que le christianisme a enfin pénétré le monde monastique. Comme si tout à coup on avait réalisé la portée absolument, je ne dis pas révolutionnaire là, mais bouleversante, de renversante de l'évangile. On l'introduit dans la communauté et on invente une forme de vie qui est entre le troupeau et l'usine. Puisqu'en même temps, les moines sont des, c'est dit en toutes lettres, hein, operaius, sont des ouvriers. Ils doivent être constamment dans l'opus. Et c'est opus qui donne notre terme ouvrier. Et votre berger est professeur quand même. Alors, il a une compétence, il n'est pas simplement... Il doit être un modèle. Et il doit bien être convaincu que toutes les erreurs de son troupeau sont les siennes. C'est-à-dire, il doit assumer la responsabilité de toutes les erreurs du troupeau. Donc, il n'est pas seulement celui qui punit parce que lui est la perfection morale par rapport à des moines qui seraient d'éventuels fautifs. La moindre faute d'un de ses frères engage sa responsabilité. Ça, ce sont des formes très modernes, vous vous en rendez compte. Alors, l'abbé n'est pas encore révocable.
il n'est révocable s'il commet vraiment des scandales gigantesques. Ce sont les évêques du lieu qui doivent le ramener à la raison, voire le révoquer. Mais il n'est pas révocable par les membres de la communauté. Ça, ça viendra plus tard avec les réformes monastiques du XIe siècle. Mais oui, moi qui suis plutôt spécialiste du XIIIe, des XIe, XIIe, XIIIe, lisant cette règle bénédictine, je me suis dit, mais c'est incroyable. Et elle est tellement révolutionnaire que dans un établissement bénédictin comme Cluny, il faut attendre le cinquième abbé, si ma mémoire est bonne, pour qu'enfin on procède à l'élection de l'abbé. Jusque-là, on s'arrangeait pour ne pas l'élire. Parce que cette idée d'élection dans le monde aristocratique, qui est celui de Cluny, paraissait une idée un petit peu incongrue. Et la règle bénédictine, on ne cesse d'en découvrir les potentialités. La réforme cistercienne, c'est quoi? C'est une relance de la règle bénédictine dans sa pureté primitive. Et la trappe au XVIIe siècle, c'est de nouveau un retour à la pureté de la règle bénédictine vue par les cisterciens. Donc c'est comme une espèce d'irradiation, la règle bénédictine, dont on découvre la puissance irradiante à différents moments de l'histoire. Et la machine se relance. Et je crois qu'elle nous marque dans les structures même de notre société actuelle. C'est vrai pour l'évêque aussi. C'est liturgique. Mais vous avez raison. Alors vous nous avez dit que le travail dans le monde religieux est une invention occidentale. Les ermites, ils sont bien obligés de travailler un petit peu quand même dans le monde oriental, non? Alors, les ermites travaillent surtout à se taper dessus. C'est une de leurs grandes occupations. Vous avez, parmi les ermites, l'ermite dans toute sa splendeur, tel qu'on le voit dans les Vies des Pères, qui ont été écrites en grec, en syriaque, traduites en arabe, et puis finalement en latin, l'ermite doit retourner à l'état sauvage. Il doit oublier sa dimension humaine. Parmi les ermites, il y avait des brouteurs qui paissaient avec les troupeaux et qui mangeaient de l'herbe à quatre pattes. C'est ce que les voyageurs découvrent en allant... Il y avait les stylites qui étaient perchés sur des colonnes. Alors, de temps en temps, ils avaient un disciple qui venait s'enquérir de leur état de santé, qui n'était pas excellent en général. Ils prenaient du vent. Et donc, ils montaient quelques vivres. Oui, c'est un bon moyen d'échapper au travail. Voilà. Mais ce sont des gens qui vivent de manière totalement aléatoire. Ils n'ont pas de plan. Ils vivent de ce qui leur tombe dessus, si je puis dire. Et ils peuvent s'occuper à des travaux de poterie, de faire des corbeilles, vannerie. Par exemple, de vannerie. Voilà. Ils vont s'occuper à des choses comme ça, mais il n'y a pas le projet d'être constamment occupé. La règle de Benoît dit « l'oisiveté, c'est l'ennemi de l'âme ». L'oisiveté, c'est l'ennemi. Donc, la prière n'est plus un vide de contemplation. La prière est un plein d'occupation. Tandis que pour l'ermite, il est là, il attend la parole. Est-ce que Dieu va lui parler? Il se flagelle. Bon, un disciple vient, lui donne quelque chose. Un corbeau arrive, dépose un pain. On est dans l'imprévu, on est dans l'aléatoire. Le moine, c'est le moine, alors ce qu'on appelait les cénobites, hein, c'est-à-dire vraiment le moine qui vit en communauté, c'est un quadrillage du temps. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que ce sont tout de même ces fichus moines qui ont inventé le réveil en pleine nuit. Notre réveil matin, vous savez, le truc, alors maintenant c'est nos téléphones, le truc qui... Bon. Pourquoi est-ce qu'on ne se réveille pas quand on a fini de dormir? Pourquoi est-ce qu'on se réveille artificiellement? Eh bien, c'est la faute des moines qui avaient inventé le signum, la cloche, qui les réveillait en pleine nuit. Alors, matine, c'est à peu près aux deux tiers du temps de sommeil. Donc, selon les saisons, c'est sur les heures romaines, donc c'est des heures qui varient comme un accordéon. La nuit et le jour s'accroissent selon la saison.
Mais en gros, aux deux tiers de votre temps de sommeil, vous vous réveillez et alors l'hiver tout grelottant, vous descendez en trébuchant, en suivant votre voisin qui est aussi endormi que vous, et vous arrivez là, et là vous commencez à chanter là, oh, cassé, bon, voilà. Et puis alors on n'y voit rien, il y a tout de même des livres pour suivre la liturgie, donc il faut de la cire. Les gens au Moyen-Âge vivent en fonction du jour et de la nuit, ils ne forcent pas ces limites de la nature. C'est Dieu qui a séparé le jour et de la nuit. C'est grave d'aller à l'encontre de cette séparation. C'est cher d'avoir des bougies ou des chandelles pour éclairer la nuit et chanter l'office. C'est contre nature. C'est forcer la nature humaine, la discipliner, l'enrégimenter. Eh bien, nous vivons là-dessus. J'ai lu des études qui montrent que chaque année, notre temps de sommeil diminue. C'est-à-dire, chaque année, on dort moins longtemps dans nos sociétés. C'est étonnant de penser ça. On va arriver jusqu'où comme ça, hein? Donc voilà, ça c'est un terrible héritage des moines. Et on a de nombreux récits, je pense en particulier à Guibert de Nogent, mais je pense aussi à Raoul Glaber. La grande, Raoul Glaber, on disait à un moment, le diable est partout dans Raoul Glaber. Hein. Et puis on s'est rendu compte, non, il n'est pas partout. Mais là où il est, c'est pour venir dire à l'oreille du moine, mais reste au lit, tu es tellement... Pourquoi tu te lèves? Reste au lit, regarde, il y en a d'autres qui le font. Non, c'est le troisième coup de cloche, reste au lit. Et un autre de mes amis, là, dans mon bouquin, Bérard Desmars, qui est un moine devenu évêque, il dit, voilà, c'est un type parfait, c'est le bon élève, hein, c'est le fils du comte, on l'a élevé au Mont Cassin pour qu'il devienne le moine parfait. Et puis en fait, le Mont Cassin, à cette époque-là, c'est l'ENA des évêques italiens, donc on le reverse dans un diocèse où, comme par hasard, toute sa famille est la famille comtale. Mais il est parfait, il fait tout bien, il est soumis au pape, il est impeccable. Mais quand il est petit moine, eh ben, il y a un truc qu'il n'arrive pas à faire, c'est à se réveiller à l'heure. Et il a cette tentation de résister à l'appel de la cloche. Donc, on voit bien que c'est forcer la nature. Mais alors, dans la règle de Benoît, donc, il n'y a pas de vie spirituelle sans coercition. Est-ce que la coercition que l'on accepte est une coercition? C'est ça le problème, si vous voulez. Le moine, dans la règle de Benoît, n'est pas un instrument de torture. La règle de Benoît est une règle modérée. Il n'y a pas de championnat de jeûne, d'ascèse. On a le droit de boire un petit coup de vin. Alors, malheureusement, la mesure qui est utilisée, on ne sait plus ce qu'elle représente. Donc, c'est une pinte, une chope, une émine. Hein, on ne sait plus bien ce que ça représente comme quantité. Mais, et puis les malades, il faut faire attention, il ne faut pas ruiner leur santé. Donc c'est une règle modérée. Et Benoît dit d'ailleurs, oh là là, à côté des exemples des pères, hein, nous on est des dégénérés, on est des moins que rien, on suit une règle bien, bien pauvre, bien médiocre, hein, à côté des grands exemples. Ça n'est pas une machine à briser l'homme, pour une raison simple, c'est qu'on n'a jamais vu un patron d'usine qui essaie de tuer ses ouvriers. Il essaie peut-être d'en tirer le profit maximum, ce qu'on appelait au XIXe siècle la loi des reins. Hein. On ne laisse à l'ouvrier que le temps qu'il lui faut pour reconstituer ses forces. Voilà, le minimum vital. Mais il ne faut pas descendre en dessous de la loi des reins. Là, ce n'est plus une loi des reins, c'est l'abattoir. Et ça n'est pas ça, la règle bénédictine. C'est une règle qui permet de vivre de jour en jour dans une sorte d'équilibre parfait des forces. Et pas de performance. En revanche, le grand but, c'est de se fondre dans le corps monastique. C'est plus une collection de corps individuels, c'est un grand corps dont on n'est plus qu'une cellule. Vos habits ne vous appartiennent plus. Et vous dormez tout habillé pour pouvoir vous lever pour l'office et peut-être pour la fin des temps. Voilà dans quel esprit vit le moine. C'est un pèlerin. Et il doit oublier son grand ennemi, c'est pas son corps. Son corps, il doit le fondre dans le corps monastique. Son grand ennemi, c'est sa volonté propre. Il faut renoncer à sa volonté propre. Alors, il y a un penseur franciscain du fin du XIIIe, début du XIVe, Hubertin de Casals, qui dit, oui, c'est en commentant la règle de François, qui reprend les mêmes choses. C'est bien de renoncer à sa volonté propre, mais quelle est la volonté qui nous incite à renoncer à notre volonté?
Mais le but, c'est ça. Donc, on ne peut pas dire qu'on est dans la contrainte, puisque c'est une contrainte assumée. Maintenant, il faut voir toute la différence entre le Moyen-Âge et nous. Aujourd'hui, cette adhésion se joue à un niveau individuel. Au Moyen-Âge, il faut reconnaître qu'elle se jouait bien souvent à un niveau familial. Donc, ce n'était pas forcément l'individu qui adhérait au projet de se faire moine. C'était souvent sa famille qui l'y poussait. Mais il devait, dans cette économie, dans ce plan à la fois familial et universel qui était le plan de salut, il devait se plier à cela. Mais on sait, par exemple, Raoul Glaber, c'est son oncle qui le convainc, il n'est pas chaud. Et puis d'ailleurs, il n'est jamais bien dans une communauté, il change, c'est un instable. Hein. Le type, aujourd'hui, sur son dossier, le DRH aurait marqué « sujet instable, à surveiller ». Éviter de lui confier des tâches trop importantes. Et quant à Guibert de Nogent, il est tout de même très très maltraité par sa mère et son précepteur. On ne sait pas bien quels sont les liens entre le précepteur et la mère. Il est malheureux, Guibert de Nogent, tout de même, dans la vocation monastique. Hein. Donc à un niveau individuel, ce n'est pas forcément ce qu'on entendrait aujourd'hui par une vocation. L'idée de vocation monastique au Moyen-Âge n'a pas cours. Mais c'est une fonction, c'est un office qu'on remplit, souvent sous la pression de la famille, et qui fait que, au jour le jour, on se discipline, mais ça n'est pas pour autant une coercition. Cela dit, si un moine manque à ses devoirs, oui, il y a des moyens de le rappeler à l'ordre. Il y a toute une gamme de sanctions dans la règle de Benoît, les fautes mineures, les fautes graves. Et dans les fautes mineures, par exemple, fautes mineures, arriver en retard à l'office. Ben oui, c'est justement ce dont on a envie. Et quelle est la première punition dans la règle de Benoît ? Tu mangeras à part. Tu es séparé du corps. Voilà, vous voyez, la coercition, c'est de faire cohésion. Et il faut bien dire que si on pousse le principe de la règle bénédictine à bout, ben on tombe dans ce qu'on appelle aujourd'hui une secte. Privation de sommeil. C'est une des règles dans une secte, priver les gens de sommeil. Dépouiller de ses biens, dans les sectes aussi ça marche très bien. Endoctrinement, la collectivité l'emporte sur l'individu. Vous alignez ce qui caractérise une secte dans les commissions contre les sectes en France, vous appliquez la règle bénédictine de manière un tant soit peu outrancière et vous y êtes. Voilà, donc c'est un modèle totalitaire au sens où il prend la totalité de l'individu. Ce modèle ne laisse à l'individu aucune part personnelle, si ce n'est celle des fautes qu'il peut commettre par rapport à la règle. C'est un modèle à appliquer avec douceur, comme l'alcool, hein, avec modération. Donc on comprend qu'il y a eu 4 volumes, parce que c'est tout de même assez compliqué. Donc, si je comprends bien, il y a un Benoît de Nursy au 6e siècle. 6e siècle, qui écrit 4 volumes. C'est votre hypothèse. S'il est le maître, il écrit 4 volumes donc, pour régir dans les moindres détails la vie monastique. Plus tard, avec sa pratique, son expérience, il en fait, on dirait, un digest aujourd'hui. Exactement. Hein. Et vous dites de cette règle bénédictine que c'est un laboratoire de la modernité. Donc vous nous avez déjà parlé de l'élection, peut-être vous y reviendrez. Vous nous avez parlé de l'organisation du temps, qui est effectivement assez moderne dans ses excès aussi, il faut bien dire. Alors il y a un point formidable dans votre ouvrage, c'est évidemment tout ce qui a trait à la mixité, à la place des femmes, à ces monastères doubles, qui sont vraiment des lieux extraordinaires avec des personnages inouïs, les veuves libérées, comme vous les appelez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, avec plaisir, mais juste un petit mot avant sur la manière dont la règle bénédictine et la vie monastique a marcoté dans notre société. Jean Mabillon, immense érudit, c'est l'ancêtre de l'école des Chartes, on peut dire, hein. Il était bénédictin, évidemment, on parle là du XVIIe siècle. Jean Mabillon a écrit un petit traité
qui, si ma mémoire est bonne, n'a pas été publié de son temps, sur la prison idéale. La prison idéale, pour Mabillon, c'est simple. Il y a deux modèles pour les criminels endurcis. C'est l'érémitisme. On les met dans des cellules isolées. Parce qu'il faut vraiment leur appliquer le régime le plus austère. Et puis, pour les délinquants moins graves, on les fait vivre en communauté. C'est le modèle cénobitique, communautaire. Si vous regardez nos prisons d'aujourd'hui, c'est la structure de base d'une prison. Et d'ailleurs, la plupart des prisons ont des formes de cloîtres. Il y a une prison américaine qui a été construite en référence exacte au modèle de Mabillon. C'est-à-dire, les types ont construit la prison avec le petit traité de Mabillon en main. Ça, c'est assez... Vous voyez, comme exemple de marcottage, hein, c'est assez parlant. Vous vous rappelez quand il écrit ce monsieur Mabillon ? Donc, Mabillon, redis-moi les dates, Pascal. Oui, c'est fin 17e, c'est ça, hein? Oui, oui, oui. C'est le grand... Montfaucon et Mabillon sont les grands fondateurs de l'érudition française, on peut dire. Mabillon plutôt pour le domaine latin et Montfaucon plutôt pour le domaine grec. En Italie, ça sera au siècle suivant, au début du XVIIIe siècle, ça sera un Muratori qui est de son côté. Voilà, c'est les grands ancêtres. Alors, les femmes dans tout cela. Le monachisme féminin, on a tendance dans l'historiographie à le traiter comme une annexe du monachisme masculin. Il y aurait des grands ordres, costauds, les hommes. Et puis il y a des petites bonnes femmes qui suivent, qui essaient de les imiter. On parle des branches féminines des ordres religieux comme d'une sorte d'annexe. Je pense que c'est d'abord un point de vue historiquement faux. C'est-à-dire, il me semble, même si je ne suis pas spécialiste du Haut Moyen-Âge, il me semble que les premières communautés de type monastique ont été des communautés de femmes, telles qu'on les voit par exemple dans la correspondance de Jérôme. Jérôme entretenait une correspondance nourrie avec des veuves et des vierges qui vivaient dans des communautés qui étaient au fond des familles élargies. C'était des matrones romaines qui regroupaient autour d'elles des amis. Elles étaient veuves, elles étaient enfin peut-être libérées d'un mari pénible, ou elles étaient leurs filles, elles étaient vierges, et elles formaient des communautés qui, à mon avis, sont parmi les plus anciennes des communautés de type monastique. Et à la différence des hommes qui commencent par le désert, en Orient, elle commence par la communauté. Donc les femmes ne sont pas du tout des dernières venues de la vie monastique. Ça, c'est le premier point. Ce qui est vrai néanmoins, ce que tous les historiens ont remarqué, c'est qu'à la période médiévale, ça changerait à la période contemporaine. Mais à la période médiévale, les hommes restent toujours très majoritaire dans le monde monastique. Il y a plus d'abbayes, de monastères d'hommes qu'il n'y a d'abbayes, de monastères de femmes. Là, le deuxième point, la deuxième différence entre hommes et femmes au Moyen-Âge, dans les communautés monastiques, c'est que, me semble-t-il, même si le point est controversé, les établissements monastiques féminins sont souvent, enfin, les moniales qui les peuplent, sont souvent de plus haute extraction que du côté des hommes. On a une concentration de noblesse. Alors, il y a un historien allemand dont je partage tout à fait les vues, Frank Felten, qui a dit, oui, mais attention, qu'est-ce qu'on voit dans une communauté monastique? On voit le cartulaire. Le cartulaire, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a le nom des familles qui ont fait des donations en échange de leurs filles, une sorte de dot que l'on adressait au monastère. Donc, c'est forcément les riches dont on a trace. Mais ces filles bien dotées qui entraient au monastère, elle permettait à d'autres qui n'ont pas laissé de traces de vivre dans la communauté. Mais enfin, même en tenant compte de ce facteur qui du coup vaut autant pour les hommes que pour les femmes, je pense qu'il y a une surreprésentation aristocratique dans les monastères féminins. Oui, et alors si vous y réfléchissez, c'est un modèle assez étonnant par rapport à ce qu'on a appris de l'anthropologie de Claude Lévi-Strauss, hein, qui nous dit qu'au fond, si on veut comprendre une société, il faut voir le marché des femmes, l'échange des femmes. Là, on vit tout de même dans un monde où une partie des femmes, et pour un certain nombre d'entre elles parfaitement en âge de procréer, sont mises à l'écart, comme une sorte de banque, de coffre-fort. Hein. C'est étrange comme,
comme ça, ça défie les modèles anthropologiques classiques. Faudrait que des anthropologues s'emparent sérieusement de ce problème-là, qui mérite autant d'être étudié que des sociétés exotiques. Donc, voilà, ça c'est les donnes de départ. J'ai l'impression aussi que les monastères féminins sont économiquement plus fragiles que les monastères masculins, parce qu'ils vivent justement sur la dot d'entrée des filles. Et il suffit de peu de choses pour qu'un monastère féminin tombe dans la dèche. C'est pour ça que dans beaucoup de monastères féminins, l'évêque local impose un numerus clausus pour éviter qu'on ne dépense plus qu'on a à dépenser, voilà, qu'on a de quoi vivre. Une fois qu'on a donné ces grands traits extérieurs, ce sont des établissements absolument remarquables. Et dans mon livre, je parle de deux en particulier, Fontevrault et le Paraclet. Ils ont tous les deux la spécificité d'être des monastères doubles. Et même, je préfère employer le terme de monastère mixte. Alors, c'est un peu gênant parce qu'on a l'impression d'un tournoi de tennis. Hein. Il y a des monastères doubles, il y a des monastères mixtes. Alors, pour moi, un monastère mixte, c'est un monastère où il y a des hommes et des femmes. Voilà, comme l'école mixte. Un monastère double, pour moi, c'est un monastère où il y a deux catégories. Par exemple, des moines de cœur et des convers. On pourra dire que Cîteaux sont les monastères doubles parce qu'il y a des moines de cœur et des convers. Et qu'en revanche, Fontevrault, c'est un monastère mixte parce qu'il y a des hommes et des femmes. Mais ce qui est intéressant, à Fontevrault, par exemple, c'est que parmi les hommes, il y a des prêtres et des convers, et que parmi les femmes, il y a des vierges et des veuves. On est donc dans un modèle de double mixte. Voilà. Bon, vous m'excuserez, ça fait très Roland-Garros, mais c'est tout de même pratique pour distinguer les choses. Alors, les monastères mixtes, hommes et femmes, il y en a eu plus qu'on ne le croyait, mais ils sont tout de même, il faut bien avouer, très minoritaires. Même s'ils nous passionnent, s'ils attirent l'attention, ils sont tout de même très minoritaires. On a parfois classé dans les monastères mixtes des monastères féminins qui étaient logiquement dotés d'un petit corps masculin, à la fois des prêtres pour assurer la liturgie, la messe en particulier, qui ne peut pas se faire sans un prêtre, à la différence de l'office, la confession, l'absolution en tout cas, qui doit être donnée par un prêtre, et puis des costauds pour les gros travaux. Mais ça n'est pas parce qu'une abbesse a sous sa juridiction un chapelain et 3-4 hommes à tout faire, qu'on peut pour autant parler d'un monastère mixte. Mon idée, c'est qu'un monastère mixte, c'est un monastère dans lequel le projet, ce qu'on appelle le propositum, le plan, le dessin EIN, c'est précisément cette convivialité entre hommes et femmes. Cette cohabitation des hommes et des femmes. Quand c'est vraiment inscrit dans le projet, comme à Fontevrault, là on peut parler d'un monastère double. Et vous savez que l'incroyable paradoxe de Fontevrault, le double renversement de Fontevrault, c'est que cette communauté d'hommes et de femmes fondée par Robert d'Arbrissel, la direction en est confiée à la mort de Robert, par Robert lui-même, quand ils se sont mourir, à une femme, Pétronille de Chemillé. Et Robert ajoute, parmi les femmes, je sais bien que, alors dans les mentalités du temps, hein, bien évidemment, il y en a de plus dignes que d'autres. Les vierges sont plus dignes que celles qui ont connu les hommes. Nous parlons de 1115. Hein. Et il dit, justement, je vais confier la congrégation à une moins digne, à une femme qui a connu les hommes, qui a connu le monde. Une vierge, elle ne va rien y connaître aux affaires, elle va se faire entourlouper. Donc, Fontevrault, c'est un double renversement. Entre les hommes et les femmes, on choisit de donner la direction à une femme, et entre les femmes jugées plus ou moins dignes, on choisit la catégorie qui était censée être la moins sacrée, sachant le prix invraisemblable qu'on accordait alors à la virginité. Là, on a un vrai monastère double, mixte, dont la direction est confiée à une femme. Et lorsque j'ai eu la chance de découvrir, je n'aboie pas, mais vous l'entendez en arrière-fond, lorsque j'ai eu la chance de découvrir les plus anciens statuts de Fontevrault dans un manuscrit de la bibliothèque Sainte-Geneviève, j'ai eu tout de même un moment de grande émotion, parce que c'est un texte qui est écrit pour toute la première partie par Robert,
Et puis à la fin, il y a un article qui dit « Robert décida de confier l'abbatiat à Pétronille. » Et l'article suivant, « Pétronille, abbesse, décide que. » Donc c'est à quatre mains, hein, par Robert et son successeur, qui était une successeur, je ne sais pas comment il faut dire, et qui ajoute quelques petits articles. Mais c'est extraordinaire de penser ça. Cette femme qui prend le relais, qui dit qu'il laisse sa trace. Robert qui l'a voulu. Et c'est Robert qui l'a voulu. Il ne s'en explique pas, mais il le veut fermement. Ah non, pas du tout, pas du tout. C'est un homme extraordinaire, ce Robert d'Arbrissel. C'est ce qu'on appelle un fou de Dieu, fils de prêtre. Fils de prêtre, en pleine réforme grégorienne, c'est-à-dire au moment où le célibat est imposé aux prêtres, il se découvre qu'il est né dans le péché. Son père était le curé de la paroisse et il prend la succession du père. Et peut-être d'ailleurs se met-il à ce moment-là en ménage. Donc il reste hanté par cette idée du péché. La réforme grégorienne, c'est une guerre froide entre le pape et les puissances laïques. Mais la force de dissuasion de la papauté, c'est la culpabilité. C'est le coin qui rentre en force dans les consciences, dans la conscience de chacun. Alors j'en arrive au Paraclet. Abélard. Toute la correspondance d'Héloïse et d'Abélard, on retient en général l'aspect, les amours, la castration, et tu m'as abandonné, et je t'aime encore, non, c'est magnifique. Bon. Mais enfin, il faut bien voir que les deux dernières lettres sont entièrement tendues vers l'organisation d'une communauté monastique. Il y a des éditions, des traductions de la correspondance, où le traducteur a le culot d'enlever les deux dernières lettres en disant « Ces lettres-là, personne ne les lit, ça ennuie tout le monde. » Donc évidemment, on en reste à l'histoire d'amour charnel, mais on oublie qu'il y a un parcours et qu'on en arrive à deux lettres qui sont des ébauches de statut pour le futur monastère du Paraclet. Abélard concevait le monastère du Paraclet comme un monastère double. Avec un prévôt et une, comment l'appelait-il, une diaconesse. Et il prévoit toute l'organisation, le jeu de hiérarchie constamment renversée entre le supérieur homme et la supérieure femme. La réalité, c'est qu'en fait, Abélard ne réside pas au Paraclet, que c'est Héloïse qui prend les commandes, et nous reste un texte, les Institutiones Nostrae, dont nous sommes maintenant convaincus que c'est Héloïse qui en est l'auteur entièrement. C'est à la première personne du pluriel parce que les femmes parlent collectivement quand les hommes essaient de dire « moi, je ». Voilà. Et c'est un texte où l'on comprend que le projet que les deux amants ont probablement eu, c'est-à-dire celui de créer une communauté mixte, équilibrée, s'est en fait amenuisé et le paraclet de Champagne, celui le vrai, celui d'Héloïse, celui qui fonctionne, c'est en fait une communauté démoniale avec quelques hommes à sa disposition. Mais on n'est pas allé au bout du projet, le paraclet n'a pas accompli Fontevraud. Il y a d'autres monastères mixtes, comme par exemple Sempringham en Angleterre, qui a été fondé par Gilbert de Sempringham, mais là, il y a l'audace de la mixité, mais il n'y a pas l'audace de confier la direction à une femme. C'est un homme qui est l'abbé de l'ensemble. Je n'en tire pas de conséquences. Il me semble qu'il y a des monastères doubles en Allemagne, qu'il y en a en Espagne. Non, ça n'est pas, non, ça n'est pas typiquement français. Ça n'est pas typiquement français. Mais c'est toujours, on sent très bien qu'on joue avec le feu. Faut pas raconter l'histoire. Donc c'est compliqué. Il faut mettre des cloisons un peu partout dans le monastère. C'est complexe. Mais évidemment, ces exemples, même s'ils sont très minoritaires, encore une fois, nous fascinent parce qu'on voit bien là le côté, ce que nous disons depuis le début, Hélène, c'est-à-dire le côté totalement expérimental, totalement laboratoire. Comment on fait? On s'enferme, on crée. Vous savez, il paraît qu'on avait cette impression-là sur les paquebots de ligne. C'est-à-dire d'être dans un monde fermé, complètement isolé du reste. Et c'est vrai, on était isolé du monde. Il y avait le câble tout au plus. Je ne sais pas si ça... Non, ça ne marchait pas. Je ne sais pas comment on faisait. Donc, on restait pendant une semaine, 10 jours, isolé du reste du monde. Et il y avait une espèce de micro-société qui se mettait en place.
Un monastère, c'est ça, c'est une île, hein, il est isolé du monde. Et il faut constamment réinventer des règles de convivialité, mais pas juste pour vivre bien ensemble, pour vivre ensemble dans un but, qui est d'être les ouvriers de Dieu. Il y a eu des expériences dans les entreprises pour appliquer la règle de Saint-Benoît comme forme de management. Oui, mais fabriquer des chaussures, c'est un noble métier, mais ce n'est pas tout à fait l'Opus Dei. C'est autre chose. Voilà. Mais on n'est pas dans le même registre. Donc, ça, c'est aussi, je crois, une des choses qu'on apprend avec l'histoire, c'est-à-dire le passé ne dicte jamais le présent. Il l'éclaire, mais il ne peut pas le dicter, parce que les conditions ne sont jamais deux fois les mêmes. Voilà, mais oui, ces exemples de monastères doubles sont absolument passionnants. Et tout de même, Fontevraud, même si c'est une minorité, Fontevraud a eu une centaine de prieurés qui sont enfin catalogués parce qu'un certain nombre d'entre eux étaient en voie de disparition. Et c'est une institution qui est fondée en 1101 et qui ne disparaît qu'en 1790. Donc, ils ont tout de même eu la vie dure, hein, les Fontevristes. Alors, ils sont bien bagarrés au XVIIe siècle. Il y a des conflits entre les frères et l'abbesse, absolument extraordinaire. On se retrouve devant le Parlement de Paris, devant le Conseil du Roi. Mais on trouve toujours une solution, comme la vie. Ça dure jusqu'au XVIIIe, cette expérience. Ah, jusqu'en 1790. C'est la Révolution française qui supprime Fontevraud. Après la fin de la communauté monastique, Fontevraud aurait probablement dû devenir, comme Saint Florent de Saumur, l'abbaye toute proche, une carrière de pierre. Mais là, ben, Saint-Florent fournissait la pierre, Fontevraud est devenu la prison. Et la chance de Fontevraud, si je puis dire, peut-être pas de ceux qui ont vécu comme prisonniers, parce qu'il paraît que c'était extrêmement dur, et c'était, au début en tout cas, c'était un relais vers Cayenne, vers le bagne. Donc c'était un établissement particulièrement difficile. À la fin, ça n'était plus qu'une maison de détention. Mais donc c'est devenu une prison, et du coup la prison a au moins sauvé les murs. Et Jean Genet a écrit un de ses romans est censé se passer à Fontevraud, alors que lui n'y a jamais été. Mais Genet était un peu mythomane aussi. Hein. Mais enfin, il a très bien parlé de Fontevraud comme prison. Et puis aujourd'hui, c'est devenu un centre magnifique, le Centre culturel de l'Ouest, et c'est le plus grand ensemble monastique conservé en France. Allez le voir, et puis dites-vous, ce coin du monde, c'était dirigé par une femme depuis le début du XIe siècle. Et les abbesses étaient élues par l'ensemble de la communauté. Le droit de vote aux femmes en France, vous vous souvenez, hein, 1945, première application en 1946, il me semble, pour les élections municipales. Donc, le monde laïque a quelques encablures de retard sur le monde monastique. Un des premiers pays dans lequel il y a le droit de vote pour les femmes, c'est la Nouvelle-Zélande, on est dans les années 1880. Eh bien, à Fontevraud, les moniales élisaient leur abbesse. Après, bien sûr qu'il y avait des pressions des grandes familles, bien évidemment. Faut ni noircir, ni enjoliver le passé, il faut juste essayer de le comprendre. Et d'écouter ce qu'il nous dit, qui n'est pas un modèle, mais qui est une référence pour notre réflexion. Et juste un petit point là-dessus, si vous me permettez. Il y a quelques années, je dévie un peu de mon sujet. Ce qui m'arrive, et avec l'âge, en général, ça s'aggrave. Hein. Il y a quelques années, il y a eu une association qui s'est montée, constatant qu'un certain nombre d'églises en France tombaient en désuétude. C'est une association qui s'appelait « Touche pas à mon église ». Alors, ça m'a toujours énormément choqué. D'abord, la négation, c'est ne. C'est pas touche pas, c'est ne touche pas. Alors, bien évidemment, il ne m'a pas échappé que c'était une référence à touche pas à mon pote, à SOS Racisme. Sauf qu'église et pote, on n'est pas exactement dans le même registre de langage. Un pote, c'est toujours plus important qu'une église, parce qu'une vie humaine, c'est plus important qu'un bâtiment. Mais pote et église, en revanche, n'appartiennent pas au même registre. Non, touche pas à mon pote, c'est très bien. Touche pas à mon église, c'est un petit peu plus gênant. Puis alors, ce qui m'a choqué, c'est mon église.
Parce que moi, j'ai toujours cru que c'était la maison du Seigneur. C'est la Domus Dei. Je ne savais pas que c'était l'église des messieurs qui ont signé, et des dames probablement, qui ont signé la pétition. Et puis, si vous voulez qu'on ne touche pas à ton église, si je puis dire, ben, y a une manière simple, c'est d'aller à la messe le dimanche. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Tant que les églises ne seront pas, leur deviendront-elles, je n'en sais rien, si elles ne sont pas des sanctuaires, des lieux de prière, ben, tôt ou tard, elles vont s'effondrer, devenir un garage ou un cinéma ou un supermarché. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas rester au lit le dimanche matin et dire « mais touche pas à mon église ». Non, là, c'était avec un E minuscule, c'était le bâtiment. C'était le bâtiment. Voilà, cela pour dire que le même édifice, une église, prend des sens différents selon la place qu'il occupe dans une société et selon aussi l'importance qu'on lui accorde individuellement et collectivement. Donc ça ne suffit pas de dire « touche pas à mon église ». Il faut aller à la messe, si on veut que les églises ne tombent pas en ruine, hein. Je n'oblige personne à aller à la messe. Nous sommes dans une institution publique. Je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas jouer le passé au milieu du présent. C'est tout. Il faut prendre les choses d'une autre manière. Et quand j'ai consulté la liste des gens qui avaient signé la pétition, je pense que rares étaient ceux qui allaient à la messe le dimanche. Alors, vous nous avez dit que cette organisation absolument extraordinaire de ces monastères donc d'hommes et de femmes dirigés par une femme ont pris fin en 1790. Vous voulez dire que c'est la Révolution qui n'a pas voulu de ça? Alors, là, je parlais de Fontevrault, hein, mais comme vous le savez, en France, tous les établissements religieux ont été fermés et confisqués. C'est la confiscation, c'est devenu les biens du clergé sont devenus les biens de la nation. Ça a été vrai, non seulement des bâtiments, mais ce qui nous intéresse beaucoup, des bibliothèques et des archives. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, si vous prenez les principales bibliothèques municipales de France, c'est la carte des monastères. Je parlais de l'abbaye de Troyes, ben c'était le monastère de Clairvaux qui a fourni les fonds de l'abbaye de Troyes. Et on pourrait, ville par ville, dire à quel monastère ou à quel cathédrale ou collégiale correspondent les fonds aujourd'hui publics. Donc ça, c'est un mouvement qui a commencé en France avec la Révolution et que Bonaparte a exporté dans tous les pays qu'il a traversés sur son cheval. Je réside une partie du temps à Bologne. À Bologne, le Saint-Dominique, c'est devenu la caserne des carabiniers. San Francesco, c'est devenu la Guardia di Finanza. Donc, c'est les Servi di Maria, c'est devenu le Conservatoire de musique. Enfin, voilà. La Révolution française a exporté, grâce à cause de Bonaparte, ce qui avait commencé en France. Ça a eu quelques inconvénients, beaucoup d'inconvénients, et quelques avantages. Les avantages, ça a été ceux de la sauvegarde dans un certain nombre de cas. L'institution qui serait peut-être disparue, de manuscrits qui seraient peut-être disparus. Mais là, je parlais du cas particulier de Fontevrault qui a disparu à ce moment-là. Non, je ne pense pas que la Révolution se soit acharnée sur Fontevrault parce que c'était un établissement double, avec des femmes à sa tête. La Révolution a supprimé tous les établissements religieux pour confisquer les biens du clergé. Et le monachisme avait, absolument, ça a été un coup brutal d'arrêt à un phénomène qui commençait à perdre beaucoup. Par exemple, je parle aussi dans mon livre de l'ordre de Grandmont, qui a été fondé par Étienne de Muret dans le Limousin. C'est un ordre intéressant, moitié hérémitique, moitié cénobitique, avec des modalités d'élection du prieur qui sont absolument passionnantes. Et alors là, Étienne de Muret avait une idée tout aussi tordue que Robert d'Arbrissel. Entre les convers et les moines de cœur, il avait dit « la direction sera assurée par les convers ». Bon, ce qui fait qu'ils se sont
tapé sur la figure au sens strict hein, pendant tout le Moyen-Âge et une partie de la période moderne. Et ils ont disparu dans le courant du XVIIIe sans attendre la Révolution. Ils sont morts de leur belle mort. Ils se sont dit à un moment, c'est plus viable, on n'y arrive plus. Et puis, il y avait aussi le fait qu'il y avait des bâtiments énormes, hérités en général du Moyen-Âge, et qu'il y avait déjà, à l'époque, ce qu'on pourrait appeler une crise des vocations, qui fait que ces bâtiments n'étaient plus remplis, et que les entretenir devenait extrêmement difficile. Donc oui, la Révolution est un coup d'arrêt brutal, mais comme vous le disiez très justement, un phénomène qui était déjà enclenché. Et le fait que les femmes aient dirigé ce type d'établissement n'a pas contribué à en éloigner les hommes. C'est, à Fontevraud, c'est un problème. Mais c'est un problème plus général. Pourquoi est-ce que quelqu'un rentre dans un ordre religieux donné? Quand je rencontre un religieux, pas la première question que je lui fais, parce que ça serait indélicat, mais si on entre en confiance, au bout d'un moment, je lui pose cette question-là. Mais pourquoi avez-vous choisi les franciscains plutôt que les dominicains? Pourquoi avez-vous choisi? Souvent, c'est des raisons de proximité, simplement proximité de lieu, et le plus souvent, c'est des rencontres de personnes. Au Moyen-Âge, je pense que c'est très souvent des stratégies familiales liées à la propriété foncière et au prestige de la famille qui relance le prestige du monastère, qui relance celui de la famille. Ça se joue très, très souvent comme ça. Mais d'où la question, pourquoi est-ce qu'il y a eu, du XIe au XVIIIe siècle, des hommes qui sont entrés à Fontevraud pour être dominés par des femmes? Parce qu'ils étaient du coin. Parce qu'ils étaient de plus modeste origine que les dames. Donc en réalité, la soumission institutionnelle au sein de l'abbaye correspondait tout de même à une donne sociale. C'était des hommes plus modestes. Parce que, mais vous savez, au Moyen-Âge et encore à l'époque moderne, la vie monastique a ses duretés, mais elle offre aussi des garanties. Pour un fils de paysan pauvre des environs de Saumur, de la vallée de la Loire, ou sur le plateau, là, autour de Fontevraud, la vie est dure. Hein. Ce n'est pas des coins toujours souriants. Et je pense que pour un fils de paysan pauvre, devenir frère à Fontevraud, c'est une protection. Mais une fois qu'ils y étaient, c'est vrai qu'il y a eu une série de révoltes, en particulier au XVIIe siècle, contre les abbesses. Et il y a une de ces abbesses, Jeanne-Baptiste de Bourbon, au XVIIe siècle. Elle était fille légitimée de France. Légitimée, ça veut dire qu'elle était la fille d'Henri IV, avec une de ses maîtresses, mais que le roi l'avait reconnue. Henri IV l'avait reconnue. C'était une femme impérieuse, extraordinaire, et elle a écrit un petit libelle, dont il y a un exemplaire à la réserve de la Bibliothèque nationale, non, donc je fais ce geste-là, mais non, c'est un peu plus loin, parce que c'est un libelle imprimé, qui démontre l'absolue supériorité de la femme sur l'homme. C'est un texte qu'il faudrait republier aujourd'hui, il est extraordinaire. Et alors, à coup d'exemple... On manque d'arguments, n'est-ce pas? Mais pas du tout, mais absolument pas, chère Hélène. Ce serait le couronnement d'une démonstration qui nous convainc de toute façon pleinement. Mais à coup d'exemple biblique, à coup d'exemple de l'Antiquité, Jeanne-Baptiste démontre cette supériorité, qui évidemment est un plaidoyer pro domo, c'est pour dire qu'à Fontevraud, elle veut absolument tout régenter. Non, ça a été compliqué. Le vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui dans une formule toute faite, ça n'est jamais un lit de roses. C'est toujours compliqué. Il n'y a pas de règles, c'est le désordre. Il y a des règles, est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'il faut les modifier? Et puis on les respecte, on ne les respecte pas. Ça n'est jamais simple. Et quand on creuse l'histoire des ordres religieux, on se rend compte qu'il y a toujours eu de la bagarre. Sylvain Piron avait fait un de ses séminaires une année à l'école des études en sciences sociales. C'était sur les franciscains, et ils jouaient sur le thème des frères ennemis. C'est-à-dire, ils se disent frères, ils n'ont pas arrêté de s'entretuer. Les luttes à l'intérieur de l'ordre franciscain
Vous en avez une idée avec le nom de la rose, entre les spirituels et ceux qui ne le sont pas, Hubertin de Casals, Ange Clareno et les autres, des gens qui sont censés avoir une même, qui ont fait un même choix, une même orientation, un même idéal, et qui arrivent à se bagarrer, parfois même violemment, sur le fait de savoir comment vivre l'idéal qu'ils ont tous choisi. Parfois, c'est très violent. Quand Abbon de Fleury, l'abbé de l'An 1000, le grand abbé de l'An 1000, Fleury, c'est Saint-Benoît-sur-Loire. Et Saint-Benoît-sur-Loire avait une possession dans le Languedoc qui était l'aréole. Il va pour remettre l'aréole au pas. La discipline s'était relâchée. L'abbé était le frère du comte. Voilà, il vivait plus comme des laïcs que comme des moines. Abbon y va pour les remettre au pas. Ben, les types ne l'entendent pas de cette oreille. Et il le tue. Il le tue, il finit, il prend une lance dans le cœur. C'était pas rien, c'était l'abbé de la congrégation de Saint-Benoît. Voilà, donc ça n'est pas un lit de rose, mais c'est la volonté d'inventer des solutions. Et c'est peut-être ce qui fait le thème de notre soirée, hein. C'est l'idée que dans ces vases clos, il y a une capacité d'innovation, une inventivité permanente, d'abord pour créer des modèles, ensuite pour les vivre, ensuite pour les modifier et les rendre toujours vivables. Il y a la règle, mais il y a les coutumes, ou les définitions, les constitutions, des textes qui entourent la règle pour la préciser. C'est extraordinaire, tout un travail au fond législatif. Mais il me semble que ces communautés ont un très grand intérêt. D'abord en elles-mêmes, quand on les regarde comme voilà, un bocal où il y a des gens qui s'agitent pour essayer de trouver une harmonie. Et puis ensuite, quand on sait que ce bocal a, je le disais tout à l'heure, ben comme si on avait mis une petite plante dans le bocal, la plante a marcoté dans toute notre société. Et elle marque aujourd'hui notre manière de vivre, de rythmer le temps, de travailler, de nous réveiller au son de ce fichu réveil. Peut-être très rapidement, peut-être un petit mot d'économie. Vous avez parlé de numerus clausus, vous avez dit que les pauvres entraient assez facilement. Alors s'il n'y a pas de dot d'une riche aristocrate, si les terres ne rendent pas beaucoup, comment ces gens-là vivaient-ils? Alors, on ne va pas pleurer sur le sort des moines médiévaux, c'était les premiers propriétaires fonciers de la période. Il y a eu des périodes, on estime que dans certaines régions au Moyen-Âge, l'Église, mais principalement les moines, détenaient 80% de ce qu'était le capital de l'époque, c'est-à-dire la terre. C'est énorme, c'est considérable. Ça reste, pendant tout le Moyen-Âge, la première puissance économique dans toutes les régions de l'Europe latine, et c'est vrai d'ailleurs pour une partie dans l'Empire byzantin, où le mont Athos, par exemple, a des possessions absolument partout. Donc ce sont des puissances économiques globalement. Cela dit, il n'empêche que de temps en temps, un établissement a des difficultés économiques. Alors, les ordres, les maisons religieuses masculines ont une plus grande gamme d'instruments pour se sortir d'affaires. D'abord, ils peuvent transformer leur propriété en seigneurie et maître des paysans qui travaillent et qui paient des impôts, l'équivalent de nos impôts. Donc ça rapporte. Et puis avec les cisterciens, on voit se diffuser, c'est pas eux qui l'ont inventé, mais enfin c'est l'époque où ça s'invente et où ça se diffuse, on voit se diffuser le modèle des convers. Alors les convers, c'est formidable, c'est des types, des costauds en pleine forme, ils travaillent dans les granges, ils n'ont pas d'enfants, donc il n'y a que des adultes. Les anciens, on les met à l'infirmerie, et ces types montent des fermes modèles. Ils exploitent des endroits isolés, des fonds de vallée. S'ils sont habités, d'ailleurs, ils s'arrangent pour chasser les habitants, puis après, ils disent qu'il n'y avait personne, c'était un désert. Et alors qu'ils recherchent la pauvreté, en une génération, toutes les abbayes cisterciennes se sont considérablement enrichies.
on construit des bâtiments magnifiques, on construit des églises simples, certes, mais qui coûtent tout de même une fortune, mais c'est pour la gloire de Dieu, c'est pas pour un enrichissement personnel. C'est ça, hein, le Moyen-Âge, c'est ce qui nous paraît, nous, aujourd'hui, contradictoire ou au moins paradoxal, ne l'est pas à cette époque. L'enrichissement est un signe de la faveur divine en même temps. C'est ce que vous appelez l'austère prospérité. Oui, oui, tout à fait. Georges Duby a écrit de très beaux articles sur le paradoxe de l'économie monastique. C'est-à-dire qu'on commence par être pauvre et les conditions même de la pauvreté, de l'exigence, de la dureté de la vie font que bossant sans arrêt, mangeant peu et ne dépensant pas pour soi, ben, on finit par très vite par s'enrichir. Hein, c'est pas... Alors, pour les établissements féminins, c'est plus compliqué. Les femmes ne peuvent pas travailler à l'extérieur. Même Claire d'Assise, lorsqu'elle fonde ce qui va devenir l'ordre des Clarisses, elle est obligée, elle ne peut pas envoyer ses sœurs quêter. Elle ne peut pas les faire travailler dans les champs. Parce qu'une femme est exposée à la violence. Une femme seule est exposée à la violence. Ça, c'est aussi pour ça que je pense que le cloître a souvent été un espace de liberté pour les communautés féminines. Alors, une liberté surveillée, mais au moins, on avait la liberté derrière des murs assez solides, ce qui n'empêchait pas de temps en temps une prise d'assaut, mais c'était tout de même des espaces de liberté, à la fois parce qu'ils étaient protégés, et puis parce qu'elles s'auto-géraient, ce qui est fantastique. Dans un monde qui ne l'est guère à cette époque, en dehors des communes, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais l'équilibre économique est plus difficile. Alors, il y a des établissements féminins considérablement riches. Il y a des établissements qui ne prennent, à la fin du Moyen-Âge, c'est surtout vrai à partir des 14e, 15e siècles, qui ne prennent que des filles très, très richement dotées. Et où les pauvres ne peuvent pas entrer, si ce n'est comme servantes. Alors, ceux-là n'ont pas trop de problèmes. Mais il y a d'autres établissements qui sont moins rigoureux, moins exigeants sur l'entrée, et où le patrimoine de départ a tendance à s'amenuiser. Il y a des établissements qui ferment. Il y a des établissements qui doivent limiter le nombre de leurs... Il y a des établissements où on quitte l'endroit et on part ailleurs. La communauté demande à un autre évêque de les accueillir dans un endroit où elle pourra vivre. Voilà, c'est... Oui, l'économie est une préoccupation. En général, c'est une accumulation incroyablement profitable, mais on voit des cas où il y a des périodes de crise du patrimoine. Et pour les raisons que je viens de dire, les femmes ont moins d'outils à leur disposition pour résoudre les moments de crise. Mais... Pas de capacité juridique semblable à celle des hommes pour Les abbesses se défendent bien. Les abbesses se défendent bien. C'est aussi pour cela qu'en général, elles viennent des milieux aristocratiques, parce qu'elles ont un réseau. Elles ont un réseau, elles ont des gens pour les défendre, elles ont leur famille pour les défendre. Si l'évêque est leur cousin, c'est tout de même plus facile. Et si le comte est leur frère, ça facilite les choses. Hein, on voit ça parfois comme un manquement. Oui, bon, c'est peut-être pas le message exact de l'évangile, mais dans une société donnée, ça représente tout de même une certaine facilité pour résoudre les moments difficiles. Et moi, je suis persuadé que ces monastères féminins ont été des espaces de relative liberté. Et puis, pour... De protection et, oui, de liberté au sens où, à l'intérieur de la communauté, ces femmes faisaient ce qu'elles avaient envie de faire. Alors, attention, ce qu'elles avaient envie de faire dans un cadre incroyablement normé. Mais au moins où elles n'avaient pas à subir d'interférence. Et quant aux moines qui venaient, y compris les convers, les moines de moindre statut, eh ben, si vous venez d'une famille paysanne, ce que je disais pour les frères de Fontevraud, si vous venez d'une famille paysanne, vous entrez dans un monastère, c'est tout de même une assurance vie. Vous savez que vous allez bosser, oui, c'est vrai, vous allez vous réveiller tôt, hein, mais vous aurez toujours à manger et vous serez assisté dans vos vieux jours. Il y a une infirmerie. Il y a une infirmerie pour les malades. Et il y a dans toutes les règles la consigne de bien traiter les malades et de ne pas les exposer par exemple aux jeûnes parce que ça pourrait les affaiblir. Il n'y a pas du tout la volonté de s'en débarrasser.
cette solidarité des générations. Non, non, je ne veux pas aborder le problème de la retraite ce soir, mais cette solidarité intergénérationnelle, comme on dit, elle était assurée dans les monastères. Donc vous voyez tous ces éléments de modernité qui sont dictés par le bon sens et par ce qui est la sève de la vie communautaire, au-delà des contraintes, la caritas. L'idée qu'entre soi, on doit être mu par la charité. J'ai parlé surtout d'un point de vue quasi politique, social, économique, parce que je ne suis pas un professeur de spiritualité, mais le moteur de tout cela est dans la caritas. La caritas qui doit régir les rapports entre les membres et au service d'une cause unique qui est de contribuer aussi modestement que puisse le faire un homme avec tous ses défauts, de contribuer à l'œuvre divine et au plan de salut divin. Voilà. C'est ça un monastère. Alors, j'ai appelé mon livre « Modèle monastique » parce que j'ai essayé de saisir cette épure. Après, on pourra objecter au cas par cas qu'il y a eu de très fréquents manquements à la discipline monastique, que le modèle a souvent été oublié, négligé, violé. Oui, oui, c'est vrai. Mais il y avait un modèle. Et quand un monastère battait la campagne et s'écartait du modèle, il y avait une reprise en main, soit interne, soit de l'extérieur. Parce que ça, c'est une autre chose qui me fascine. Il m'arrive d'aller dans les communautés religieuses. Et je suis l'office. Voilà. Parce que, indépendamment de ce que je peux croire par ailleurs, je trouve que c'est un problème de convivialité, justement. Et parfois, réveillé un petit peu tôt, je me dis, si on se donnait le mot la veille, demain, on sèche. C'est le diable qui parle. C'est le diable qui parle, bien sûr. En fait, ça ne tient à rien le fait qu'une communauté... Pensez, je prends l'exemple dans mon livre Saint-Michel de Cuxa, on dit, hein, je crois, Cuxa. Oui. On est perdu dans la montagne. Il y a quelques dizaines de moines. S'il y en a un qui dit, oh, écoutez les gars, demain, on fait la grasse mat, quoi, tout de même. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on va s'en tenir tout de même à la règle? Qu'on va respecter les heures des offices? Il n'y en a pas qu'un. C'est toute la journée. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et ce modèle qui coûte au quotidien, qui rapporte au centuple, bien évidemment, au-delà, dans l'au-delà. Mais ce modèle qui coûte au quotidien, donc qui jour par jour est un défi, est un des modèles d'organisation sociale humaine qui dure depuis le plus longtemps. Citez-moi un autre exemple d'une institution qui dure depuis 1500 ans. Ben, il n'y en a pas. Nos régimes politiques, non, il n'y en a pas un seul. Nos associations, même les amis de Cluny, n'ont pas cette longévité. Donc c'est tout de même un modèle d'organisation de la vie collective humaine qui traverse pas seulement les siècles, mais maintenant les millénaires. Et tous les jours, au chapitre, qui continue à se tenir comme la règle du maître l'avait prescrit et la règle de Benoît après elle, les moines se retrouvent et lisent un chapitre, d'où le nom, de la règle de Benoît, qui pour eux n'est pas ce qu'il est pour moi, c'est-à-dire un document historique, mais qui est une forme de vie. Et au Moyen-Âge, vous savez, la forme, ce n'est pas du tout l'apparence. La forme, dans l'esprit médiéval, c'est la structure déterminante. C'est ce qui est le plus important. François, on disait de lui qu'il était forma minorum, la forme des mineurs, le modèle des mineurs. La forme est essentielle, de même que l'habit fait le moine. Un moine, c'est un habitus, c'est une manière d'être. Giorgio Agamben dit très justement, un prêtre est prêtre pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Un moine qui jette le froc aux orties, il n'est plus rien. Il n'est plus rien. Il a abandonné son habitus, il ne fait plus partie du corps collectif. Bah, c'est redevenu un homme individuel, isolé. Il s'est coupé du corps qui lui donnait forme et sens.
Voilà, c'est ça qui est fascinant dans ces monastères médiévaux. C'est ce qu'ils sont pour eux-mêmes et ce qu'ils éclairent de notre présent. En ce qui me concerne, on n'a pas parlé enseignement, culture, etc. J'imagine que toutes ces dames de l'aristocratie parlaient latin couramment. Mais vous dites qu'assez vite, tout de même, on ne comprend plus le latin dans les monastères. Ils ne travaillaient pas en latin ? Alors là, vous ouvrez un chapitre énorme. Parmi les moines de cœur pratiquaient tous le latin. Certains étaient les plus grands lettrés de chacune de leurs générations, plus grands lettrés du Moyen-Âge et jusqu'au XVe, c'était des moines. Et les travaux de Cécile Caby ont montré que l'humanisme monastique était une réalité essentielle. On identifie toujours l'humanisme au laïc, non. Donc, à ce niveau-là, bien évidemment, ils parlent tous, ils écrivent et lisent le latin nettement mieux que moi. Dans les communautés féminines, comme les femmes n'étaient pas prêtres, elles n'avaient pas reçu l'éducation liée à la prêtrise, et le latin était probablement moins répandu. Michel Zinc a montré que les plus anciens sermons que nous avons en français, en ancien français, sont des sermons pour la plupart destinés aux moniales cisterciennes. Cela dit, c'est vrai massivement. On a eu tendance, pour des raisons purement sexistes d'aujourd'hui, à sous-estimer la pratique du latin de la part d'un certain nombre de moniales au Moyen-Âge. Claire d'Assise lisait et écrivait parfaitement le latin. Et elle donne l'ordre que l'on ne chante pas l'office pour qu'on en goûte mieux les paroles. Or, les paroles étaient en latin. Ça veut dire qu'elle le comprenait. On ne faisait pas la-la-la. Héloïse, c'est évident qu'elle écrit parfaitement le latin. Isabelle de France, alors c'était la sœur de Saint-Louis, elle corrigeait le latin de ses confesseurs quand ils lui écrivaient des lettres. Évidemment, elle ne se faisait pas que des amis. Alors, ce sont des cas d'espèce. Mais ce qui me frappe, c'est que dans les trois cas que je viens de citer, il y a systématiquement eu des historiens pour mettre en cause la maternité, si je puis dire, des écrits de ces femmes. Une espèce d'acharnement pour nier l'autorité féminine au Moyen-Âge. Elle était minoritaire. On est d'accord, personne n'a jamais prétendu le contraire, mais elle existait. Et quand on en rencontre des cas, comme ça dérange, pour des raisons sur lesquelles il faudra vraiment s'interroger, comme ça dérange, on essaie de raboter ces exceptions pour les ramener à la règle, c'est-à-dire à rien. C'est absurde. La règle de Claire d'Assise est de Claire d'Assise. Récemment, il y a encore eu un livre aux États-Unis qui dit oui, mais celui qui allait devenir le pape Alexandre IV y a pris une grande part, mais beaucoup moins que dans la règle de François. Or, personne ne conteste le fait que la règle de François est de François. On essaie de diminuer le fait que la règle de Claire est de Claire, alors qu'il y a plusieurs passages où c'est écrit « ego clara ». Voilà. Donc, dans les monastères que j'ai étudiés, alors tout à fait à la fin du Moyen-Âge, dans l'Ombrie, en Italie, donc autour de Pérouse, Foligno, etc., là, il y a des espèces de cénacles humanistes qui se sont créés dans le milieu monastique. C'est les filles des plus grandes familles de la région, et elles se sont mises au grec. Donc voilà, il faut essayer d'aborder tous ces cas sans aucun a priori, et sans... avec un esprit critique quand on regarde les sources, mais sans volonté de nier ce qui est écrit noir sur blanc dans un certain nombre de sources. Alors, le dernier petit point sur lequel je voudrais juste dire un mot, c'est que quand on réfléchit à ces communautés, d'hommes ou de femmes, elles existent depuis 1500 ans, mais avec un autre défi, c'est qu'il n'y avait pas de reproduction biologique des effectifs, en principe. Mais là aussi, il y a eu des exceptions. Mais peu importe les exceptions, moi, c'est la règle qui m'intéresse. Donc, c'était des communautés humaines non reproductibles. Ce qui veut dire qu'à chaque génération, il faut aller puiser ses forces dans, si je puis dire, le lit des autres. Il faut attirer des gens vers soi. Il faut les attirer vers soi et il faut les faire basculer dans leur fidélité.
C'est-à-dire, il faut leur faire préférer leur parenté spirituelle à leur parenté charnelle. Et croyez-moi, au Moyen-Âge, c'est un tour de force. Parce qu'au Moyen-Âge, la parenté charnelle compte infiniment plus qu'aujourd'hui. Elle est celle des sociétés traditionnelles où, avant d'être un individu, on est un membre d'une famille. Or, tout le système ecclésial occidental, dans le cas du monachisme, d'un bout à l'autre, dans le cas des prêtres, au moins à partir de la réforme grégorienne, se construit sur la non-reproduction biologique. C'est un défi invraisemblable. Et à chaque génération, il faut aller trouver des forces. Alors certes, il y avait ce que vous disiez, c'était pratique d'avoir des filles de la famille ou des fils de la famille qui, au lieu de morceler l'héritage, le patrimoine, allaient dans des monastères où, par ailleurs, ils vivaient sur un patrimoine qui n'était pas non plus négligeable. Mais il n'empêche. Et comment on fait pour créer cette parenté spirituelle? Il y a le lien de maître à élève, qui est très fort, qui est un lien... enfin, on le constate dans tous les récits un petit peu plus personnels. Je parlais de Guibert de Nogent, de Raoul Glaber, mais on le voit, il y a un lien de maître à élève qui est extrêmement fort. Et puis, il y a l'habit, au sens du vêtement. On est tous pareils. Comment on fait une équipe de foot? En mettant sur le dos des types le même maillot, non? Et ils se sentent... Et comment on fait une armée? Pourquoi on tire sur cet uniforme-là, mais pas sur celui-là? Parce qu'il y a un habit. Il faut voir les conséquences. Et enfin, dernière puissance unificatrice de cette parenté spirituelle antinaturelle, c'est la liturgie. La liturgie, c'est une force considérable. C'est Ernst Kantorowicz, quand il a publié Laudes Regie en 1946, il disait, il faudrait tout de même qu'on arrête de s'intéresser au Moyen-Âge sans jamais avoir ouvert un missel. Et ça, on est quelques-uns à le savoir, mais ce n'est pas sûr que même dans la profession, ce mot d'ordre de Kantorowicz, plus de 50 ans après, plus de 60 ans après, ait toujours été entendu. Or, la liturgie, c'est le ciment. C'est de chanter de la même voix, sans que l'âme... C'est dit dans les règles. Quand on chante l'office, aucune voix ne doit l'emporter sur les autres. On doit être à l'unisson. Quand on marche... Rien ne doit faire remarquer le moine. Ni ses hanches, ni ses épaules ne doivent bouger. Il doit avoir la tête légèrement fléchie. J'ai un moine qui m'a raconté un jour, il avait jeté son habitus aux orties. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, écoute, dans ma communauté, il y avait un type, à chaque heure de l'office, il entonnait une fraction de seconde avant les autres. Et il y a eu un moment, ça m'a rendu fou, je suis parti. Je dis, vraiment? Alors, je ne sais pas si c'était la vraie raison, mais ça m'a frappé tout de même. Or, précisément, les règles avaient bien prévu ce problème-là. L'unisson, pas une voix qui dépasse, rien de personnel, se fondre dans un cœur qui préfigure le cœur des anges. C'est ça. C'est dur, c'est beau. On n'est pas obligé de choisir cette voie-là. Mais elle fait réfléchir. C'est juste ce que nous essayons de dire depuis le début. Oh, mesdames, merci infiniment. Y a-t-il des questions? François, je peux te demander de faire passer le micro. Merci beaucoup. Il y a Françoise qui a levé la main, non? Oui, Françoise, derrière toi. Vous avez dit un tout petit mot sur la difficulté d'accepter l'élection de l'abbé. Il a fallu beaucoup de temps pour installer ce protocole, ce scrutin. Oui, vous verrez, il y a un chapitre dans mon bouquin qui est consacré au problème de l'élection abbatiale, justement. Alors, c'est un principe qui était dicté effectivement par Benoît, la règle de Benoît, donc 530 environ pour la première fois, et qui, à mon avis, est tellement en avance sur son temps, qu'il met du temps à être appliqué. Alors, on n'a pas de traces pour nombre de monastères avant Cluny, mais à Cluny, on a le récit de toutes les successions abbatiales. Et on voit qu'en réalité, il faut attendre le cinquième abbé pour qu'il soit enfin élu. Les précédents,
Ben, on en était revenu, sans le dire, à la formule de la règle du maître qui était que l'abbé en place désignait son successeur. C'était ça qui était prévu dans la règle du maître. C'était aussi problématique parce que l'abbé, au moment où il se sentait mourir, désignait son successeur. Mais il y avait deux problèmes. Parfois, on ne se sent pas mourir. Il y a des morts subites. Même une marque de bière d'une abbaye belge, il me semble. Et là, on n'a pas eu le temps de désigner son successeur. Bon, problème. Et il y a d'autres fois, on sent qu'on va mourir, on désigne son successeur et on ressuscite. Enfin, on ressuscite, je m'entends, on se porte mieux. Et là, tout à coup, c'est un peu la situation de l'Église à l'heure actuelle, il y a deux abbés. Voilà, la guerre des papes. Donc, ça n'était pas une très bonne formule, mais elle était dans l'absolu. N'empêche que dans la pratique, elle était tentante. Parce que le type est le patron. Attention, les abbés, jusqu'aux ordres religieux du XIIIe des frères mendiants, où ils ne s'appellent pas d'ailleurs des abbés, mais peu importe, les supérieurs ont des charges viagères, ils étaient à vie. Et quand on a beau lire tous les jours qu'on est le dernier des derniers, quand on est le patron depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, voilà, et on a tendance à vouloir désigner son successeur, dans nos institutions, croyez-moi, ça arrive. Ça continue à se faire en partie comme ça, même s'il y a une élection formelle. Donc l'élection nue, si vous voulez, c'est dur à mettre en place. Et puis petit à petit, on y arrive. À partir du 12e, ça se fait vraiment, ça se fait assitôt. On le voit chez les Victorins, Saint-Victor, ici à Paris, on voit les procédures d'élection. Et alors, quand j'ai travaillé sur ce sujet-là, sur le problème des élections abbatiales, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que plus on avance, plus l'élection est ritualisée et en fait liturgisée. C'est-à-dire qu'il y a une tonne de prières autour des moments capitaux de l'élection. Et cette liturgisation est là pour calmer le jeu. Parce que les premiers récits d'élection que l'on a, c'est souvent des coups de force. Et puis plus on avance dans le temps, plus il y a de décorum liturgique autour, et au fond, la leçon, c'est de dire, c'est pas l'élu qui est important, c'est le fait de l'élire. On dit, quand on participe aujourd'hui à un vote, on vote d'abord pour le vote, avant de voter pour un candidat. C'est-à-dire, on vote pour un système de désignation de ses gouvernants. Donc voilà, ça prend du temps de mettre en place des élections, et c'est seulement avec les dominicains et les franciscains que l'abbé doit être reconduit à date fixe, c'est-à-dire qu'il n'a plus un mandat à vie, mais qu'il a un mandat temporaire. Et là, on en arrive, pour ainsi dire, à la définition actuelle d'un mandat électif, si vous voulez. Alors, l'autre chose aussi, c'est qu'on a tendance à dire, « Oh oui, ça, c'est les sources médiévales, elles enjolivent tout. » On nous dit que l'élection a été unanime. Qu'est-ce que ça veut dire, une élection unanime au Moyen-Âge? Ça veut dire que les types n'étaient pas d'accord. Mais quand finalement un candidat l'a emporté, tout le monde a été d'accord pour le reconnaître comme le nouveau dirigeant. Donc c'est unanime. Une élection devrait, ça n'est pas le cas, mais devrait être unanime. C'est-à-dire une fois qu'on a élu quelqu'un, on devrait considérer qu'il est élu pour un temps donné et voilà, qu'il nous débarrasse de tâches par ailleurs ennuyeuses et qu'il faut lui laisser faire son métier. Donc ben, l'unanimité, c'est tout simplement cela. C'est pas un faux semblant des sources médiévales. C'est juste une manière de dire, on s'est bien bagarré, mais il y en a un qui est sorti vainqueur et on l'a admis. Après, on pourrait entrer dans le détail de l'élection. Est-ce que c'est une majorité arithmétique ou est-ce que c'est une majorité morale? Il y a plein de points comme ça. Mais c'est passionnant, si vous voulez, comme dossier, parce que là, l'avance des communautés religieuses est extrême par rapport aux communautés laïques. Les premières formes d'élection pour des mandats de ce type, alors bon, l'empereur, c'est tout de même un cas très particulier, mais ce sont les communes italiennes où les consuls apparaissent en gros vers la fin du XIe siècle, tandis que la règle de Benoît, c'est 530. Mais ça met du temps à s'appliquer, c'est vrai. On viendra vers Françoise. Là. Elisabeth, vous voulez... Non.
Notre Françoise. Je voulais juste parler du modèle, on dit pour l'architecture, le modèle bernardin. Oui. C'est ça, monsieur? Oui. Oui. Et est-ce qu'il a été, comment dire, institué dans la règle aussi, ce modèle de l'architecture ou... Alors, bernardin, en fait, ça veut dire ça veut dire, oui, cistercien, c'est, hein, oui, puisque c'est Bernard c'est de Clairvaux. Oui, oui, donc c'est, et c'est donc le modèle cistercien. Alors, oui, ça, c'est un débat pour les historiens de l'art, ce que je ne suis pas du tout. L'idée s'est en effet répandue qu'il y avait un modèle cistercien, parce que quand on regarde les abbayes cisterciennes, elles ont des traits communs. Par exemple, le chevet plat est quelque chose qui revient assez fréquemment, l'absence d'ornementation humaine, mais une ornementation purement végétale. Donc il y a quelques traits communs. Après, les historiens de l'art, les uns tiennent plutôt pour le côté cohérent à l'intérieur de l'ordre cistercien, et les autres mettent en valeur les variantes régionales qui, effectivement, sont nombreuses. Voilà, c'est un peu l'éternel débat. Mais il y a un modèle avec, il y a un modèle très, très général avec des applications variables. Les franciscains ont édicté également des modèles architecturaux. Dans les constitutions de Narbonne, 1260, Bonaventure dit, voilà, la nef ne sera couverte qu'en bois, ça sera une charpente. Seul le chœur pourrait être voûté de pierre. Et si vous regardez beaucoup d'églises franciscaines en Italie, vous verrez qu'elles suivent ce modèle. Mais là aussi, malgré la prescription, il y a eu énormément de variantes régionales qui font qu'en France, on a tendance à construire plutôt en pierre, là où en Italie, on a encore un modèle un peu basilical avec les poutres. En dehors des communautés qui suivent la règle de Saint-Benoît, il y a quand même d'autres communautés. Surtout avant que c'est Louis le Pieux qui impose la règle bénédictine de façon générale, au moins dans son royaume. Oui, absolument. Ce que j'ai dit à un moment pour répondre à Hélène, c'est que Benoît de Nursie, 6e siècle, doit en fait la notoriété de sa règle à Benoît d'Agnan, qui était, disons, le chargé d'affaires monastiques de Charlemagne. Et du fils de Charlemagne, Louis le Pieux, et c'est Louis le Pieux, en 817, qui prend la décision, sur les conseils de Benoît d'Agnan, d'étendre la règle, d'imposer, on peut dire, la règle bénédictine à l'ensemble des monastères de l'Empire. Benoît d'Agnan avait fait auparavant un travail considérable, la Concordia Regularum, c'est-à-dire qu'il avait comparé toutes les règles qui lui étaient tombées sous la main, et il avait essayé de voir laquelle était la meilleure. Il avait fait, vous savez, comme la publicité comparative. C'est impressionnant. Hein, et la Concordia Regularum, alors c'est fabuleux comme on pourrait dire, machine à trier les règles, mais ça nous a aussi conservé des règles qui, sans cela, auraient disparu, que l'on ne connaît que par leur insertion dans la Concordia. Donc, avant Benoît d'Agnan, le diffuseur, entre Saint-Benoît et Benoît d'Agnan, il y a eu bien d'autres règles. Une règle qui a eu un moment un très grand succès dans les royaumes francs, c'était la règle de Colomban. Hein, Colomban qui vient d'Irlande, qui fonde à la fois des monastères à Luxeuil, à Bobbio, en France, en Italie. C'était une règle qui était plus austère que celle de Benoît, où les procédures de désignation de l'abbé, par exemple, sont beaucoup plus floues. Et je pense que la décision de Benoît d'Agnan en faveur de la règle bénédictine, ça a été clarté, simplicité, modération. C'est ça qui a dicté vraiment son choix. Mais, par exemple, vous avez en Italie du Sud, qui est restée longtemps sous influence byzantine, vous avez encore, à l'heure actuelle, des monastères qui suivent la règle de Saint-Basile. Et puis, bien évidemment, à partir du XIe, XIIe siècle, il y a toute une série de nouveaux ordres qui se créent. Donc, on peut dire, en gros, jusqu'à Louis le Pieux, il y a une prolifération de règles qui se cherchent. De Louis le Pieux à la réforme grégorienne, il y a un tronçon bénédictin dans tout l'empire carolingien. Et à partir du XIe siècle, il y a de nouveau prolifération. En gros, le schéma chronologique est celui-là. Alors,
Vous avez raison. La règle de saint Augustin, c'est une règle qu'on attribue à l'évêque d'Hippone, à Augustin, qui est probablement de lui, pour la communauté de prêtres qu'il avait réunis autour de son siège épiscopal. Donc la règle de saint Augustin a toujours été appliquée à des communautés de prêtres et elle a trouvé un nouvel essor avec l'institution des chanoines. Toujours, on est toujours vers le 11e, fin du 11e siècle, toujours réforme grégorienne. La règle d'Augustin est devenue la référence pour les chanoines. Lorsque les ordres mendiants se créent au XIIIe siècle, ils doivent jouer avec un canon du Concile de Latran IV, 1215, qui dit que l'on ne peut pas créer de nouvelles règles. François d'Assise dit « Oui, d'accord, mais moi, en 1209, j'étais allé voir le pape Innocent III et il m'avait dit qu'il était d'accord avec ma règle. Tu as une trace écrite ? Non, mais c'est pas grave, François n'était pas à sa prêtre. » François d'Assise arrive à créer une nouvelle règle grâce à cela. Mais saint Dominique, qui est un esprit beaucoup plus soumis que François, François, c'est tout de même, c'est un original. Hein. Saint Dominique respecte les normes de Latran IV, 1215, et il prend la règle de saint Augustin. Donc en fait, les dominicains sont des chanoines qui suivent la règle de saint Augustin avec des constitutions dominicaines particulières qui viennent considérablement l'enrichir, et en particulier, alors là de manière extraordinaire, autour de la désignation des supérieurs. Vous lisez les constitutions dominicaines de 1220, mais il y a peu de constitutions modernes des États laïcs d'aujourd'hui qui ont ce degré de précision et d'économie dans la désignation de toutes les instances de direction. Et oui, vous avez raison, il y a la règle de Saint-Augustin, mais on considère que les chanoines ne sont pas tout à fait des moines. Voilà. Une dernière question, peut-être ? Oui, Elisabeth ? Eh oui, je l'avais pas vu. Ce n'est pas tant une question qu'une réflexion que je voulais vous faire. Vous avez beaucoup abordé les communautés orientales, puis du monde occidental, et je pensais aux communautés asiatiques, aux communautés bouddhistes, par exemple, qui sont sans doute très, très anciennes, je ne connais pas du tout, hein, et encore très puissantes aujourd'hui dans certains pays d'Orient, d'Extrême-Orient. Et je me demandais s'il y a eu un peu d'études comparatives, où ça n'a rien à voir, ou voilà, je... Alors, j'y fais une toute petite allusion. C'est un sujet absolument passionnant et je vous remercie beaucoup de poser la question. Dans la tradition bouddhiste, par exemple la tradition bouddhiste zen ou la tradition bouddhiste tibétaine, il y a effectivement des communautés monastiques qui rappellent énormément nos communautés occidentales. Vous avez tout à fait raison. Le Tibet même allait plus loin parce qu'il a créé le seul, à ma connaissance, le seul état monastique qui ait jamais existé avant sa suppression devant la Chine communiste. Mais là, c'est encore un cran au-dessus de ce qu'a connu l'Occident, puisque le chef d'État, si je puis dire, est en même temps le chef des communautés religieuses. Le problème d'une telle comparaison, c'est qu'elle requiert des compétences qu'un unique individu a peu de chances d'avoir, ne serait-ce que linguistique. Hein. Se lancer à étudier des dossiers dont on ne parle pas la langue, ce n'est pas forcément une bonne idée. J'ai souvent découragé des étudiants qui ne pratiquaient pas le latin de commencer une recherche, et je les ai en revanche fortement incités à se mettre au latin, qui est tout de même une langue magnifique. Mais là, dans le cas que vous dites, ça réclamerait de grandes compétences. Cela dit, le sujet, à mon avis, est absolument passionnant, parce qu'il permettrait de voir justement ce qu'il y a de commun dans les formes et en quoi, on parlait tout à l'heure des formes et de l'esprit, en quoi les formes et l'esprit jouent, quelle est leur dialectique exacte dans ces différentes civilisations. Vous me donnez une idée, parce qu'on a un excellent spécialiste du bouddhisme zen, en particulier à l'Institut, qui est Jean-Noël Robert.
je vais lui poser la question, lui demander s'il serait intéressé. Et du coup, j'en ferai état aux amis de Cluny. Si jamais un jour un tel... Ça sera grâce à vous, madame. Mais c'est vraiment un très, très beau sujet. Ça m'avait effleuré, je le signale en disant ce serait intéressant d'eux. Et je l'avais abandonné faute de compétences. Mais au fond, ça vaudrait vraiment, vraiment la peine de s'y mettre. On sait que le christianisme a beaucoup emprunté au christianisme. Je ne pense pas au niveau des formes monastiques. Je pense que... L'intérêt, justement, des formes monastiques, c'est que, oui, il y a du marcottage, hein, je l'ai, mais il y a tout de même l'effet de vase clos. C'est en vase clos qu'on fait des expériences. Et c'est l'effet de vase clos qui fait qu'on invente des règles. Alors, je ne crois pas trop aux influences, mais je crois ce qu'on appellerait en philologie une faute polygénétique, hein, c'est-à-dire le même passage va faire que différents individus vont faire la même faute. Alors là, ce n'est pas la même faute. C'est-à-dire les mêmes conditions de vie font qu'on va avoir envie, de manière polygénétique, sans forcément qu'il y ait des jeux d'influence, de créer des formes relativement semblables, en tout cas assez proches. Oui, non, c'est une très, très belle question. Et peut-être les amis pourraient-ils organiser le Moyen-Âge entre Orient et Occident. Mais nous essayons. On va y réfléchir. Ça serait vraiment un... horizons, nous allons régulièrement au musée Guimet et ailleurs réfléchir à tout cela. Hein. Mille merci, Jacques, pour ce passionnant exposé. Merci à vous, Hélène. Merci infiniment.